On commence par un héros qui, selon moi, n'est pas important dans Lord Overwatch. La lanterne rouge, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi Baptiste, pour moi, voilà, ça t'apprendra. C'est bien fait pour toi. Oups. Bonjour à tous, ici le Caz. Je crois que j'ai vexé Blizzard à ainsi profaner le Saint-Augustin avec ce magnifique rancé dans ma tier list. Enfin, ravi de voir que les portes s'ouvrent aussi pour ceux à qui on avait tendance à leur claquer au nez. Bref, aujourd'hui, grosse nouveauté, une deuxième nouvelle propre à l'univers d'Overwatch vient à pointer le bout de sa couverture. Elle est tout simplement appelée le poids du passé. C'est tout beau, tout chaud et prêt à être servi en pâture à notre libre arbitre. Et comme d'habitude, on va commencer par un bref résumé, histoire de contenter les plus flemmards d'entre vous. Depuis qu'il a déserté la griffe et ses méthodes moralement discutables, Baptiste vagabonde de ville en ville, accablé par le poids du passé et surtout par celui de son avenir incertain. Poursuivi par son ancien employeur, il sait mieux que quiconque quel sera le traitement qui lui sera infligé à lui et ses proches s'il tente ne serait-ce qu'humer le confort d'un chez-soi, de s'adonner à un semblant de sédentarité. Il ne reste certes jamais très longtemps au même endroit, mais apprécie l'air paisible de Port-de-Paix, un point de chute où il lui arrive régulièrement de reconnecter avec ses racines, ses amis, ses patients. C'est alors qu'il était sur le départ qu'il s'adonne à un dernier rituel, passer par le bar dans lequel il avait pris pour habitude de remuer dans le fond d'un verre à cocktail le flux de ses souvenirs. Seulement ce soir, l'animation du bar laisse à désirer, le silence ambiant a des échos d'étrangeté, dans la mesure où il n'est pas coutume de le côtoyer en ce lieu qui d'habitude véhicule plutôt festivité. Un calme tendu, rompu par de vieilles connaissances, Moga et Nguyen. Leur présence n'avait bien entendu rien d'une coïncidence, ils avaient repéré, épié Baptiste pour l'approcher et le convaincre de retourner vers la faction. Devant le refus catégorique de ce dernier, l'atmosphère se tend et prend une tournure d'ultimatum. Moga et Nguyen tiennent en tenaille notre haïtien en usant de différents sous-entendus, ne laissant place qu'à un récital de menaces, à peine mystifié par le sarcasme. Et c'est dans ce contexte qu'une autre proposition est faite à Baptiste. Son énoncé est simple, aller chahuter Sinclair, un gérant d'une fabrique de médicaments, le même avide homme d'affaires qui, jouissant d'un monopole affirmé sur le marché médical, augmentait plutôt ses prix de façon déraisonnée. En partie responsable de la pauvreté et de l'état de santé pitoyable de son pays, Sinclair reste là à contempler le fossé qui le sépare des siens. Il est une honte pour sa patrie et précipite ainsi le marché conclu de Baptiste avec ses recruteurs. La nuit va être courte, en effet la mission est prévue pour le lendemain. Après une nuit mouvementée portée par la froide caresse du cauchemar, Baptiste prend la route avec Nguyen et Moga en direction de leur cible. Sur le chemin, tous revêtirent la panoplie rouge et blanche, vestige des armées de la griffe. Si pour certains elle est toujours portée avec fierté, pour Baptiste elle semble avoir pris du poids. Sans doute celui de sa conscience ou de sa résolution passée à ne plus l'arborer. Ayant annoncé au préalable leur arrivée, notre trio ne s'attend pas à un buffet d'accueil, mais à un comité de réception pour le moins cordial. Cependant, il n'en est rien. C'est un véritable piège qui s'organise autour des trois agents, et ils doivent user de la force afin d'y fournir la réponse appropriée. Avec son frère d'armes il y a quelques années, la brute sournoise Moga. Ce colosse qui par le passé l'avait couvert, lui avait permis de prendre la fuite. Bref, leurs assaillants au tapis, Baptiste, Moga et Nguyen, prennent en interrogatoire Sinclair. Ce dernier les informe alors de son ex-affiliation à Overwatch, il dispose en effet d'une tablette où sont renseignées les identités de tous les différents ex-agents, le rappel de ces derniers est en cours et promet la restructuration de la faction. Une démonstration aux échos de complaintes et de lamentations, trahissant son rôle de taupe pour le compte de la griffe. Les trois agents semblent d'accord, Sinclair ne mérite pas de vivre, mais alors que Baptiste faisait mine de mettre la sentence à exécution, il dégoupilla une grenade flashbang qui, en un éclair, lui fournit l'opportunité de s'échapper à toutes jambes, entraînant dans sa foulée le PDG véreux. Ce dernier est par la suite abandonné dans un entrepôt des docks en sécurité. Baptiste se voit ensuite confronté directement à son passé par le biais de son ancien frère d'armes. En effet, Moga se tient droit devant lui, prêt à déverser un torrent de poudre et de feu. Et durant cet ultime affrontement, notre haïtien va faire usage d'un stratagème explosif. Moga disparaît derrière les décombres
Et, persuadé que ce dernier n'est pas mort, Baptiste tourne le dos aux ruines et à ses mystères. Il décide ensuite de consulter les archives d'Overwatch fournies par Sinclair. Soudain, son œil s'arrête brusquement sur un des profils délivrés. Un médecin avec qui jadis il eut l'occasion d'échanger, le docteur Angela Ziegler. C'est dans un ultime sursaut de lucidité qu'il décida de faire de la jeune femme sa prochaine rencontre. Mais par où commencer? Peut-être par là où se cache toute information susceptible d'être secrète, dans la poche de la bonne personne. Voilà pour ce petit résumé, passons dès à présent à son analyse. Premièrement, les événements rapportés au passé ne font que compter les péripéties liées à la prise de conscience de Baptiste, que même s'il trouvait en sa collaboration avec Moga une alchimie particulière, eh bien, il ne pouvait se résoudre à le suivre chez la griffe dans cette chasse au profit. Tout le chapitre sur Monte Cristi ne fait que donner narration à la vidéo des origines de Baptiste. Cependant, et petit point très intéressant, d'après Google Maps, la scène de ce drame se passerait en République Dominicaine et non pas à La Havane, comme on pouvait le supposer. Autre petit point, et dont je ne suis pas peu fier, mais j'avais mot pour mot lors de ma toute première analyse à chaud du personnage, évoqué cette thématique du miroir, que notre Baptiste avait vu au travers du regard de cette jeune fille, le miroir de sa propre condition, l'enfant que jadis il a été. Et bim, prise de conscience, fuite de la griffe, etc. Cette nouvelle est une véritable allégorie de l'expression « l'histoire se répète » et qu'il ne convient qu'à notre libre arbitre de lui trouver une issue différente. Et en ce qui concerne maintenant les personnages secondaires, on a tout d'abord Nguyen, l'analyste. Bon, déjà ce n'est pas la première fois que l'on voit ce petit nom à consonance asiatique, puisqu'il était déjà présent dans la lettre faisant office de teaser à l'arrivée de Baptiste. Ensuite, il est relativement classe, j'aime beaucoup ce profil plutôt froid, blasé, intelligent décrit au travers de ses lignes. Il semble de plus être doué pour le combat, et être doté d'une arme que l'on avait, je cite, « jamais vue ». Un fait qui aurait pu aboutir à quelque chose de concret, néanmoins, son côté très en dehors en termes d'implication émotionnelle, traduit à mon sens ici une accréditation droite au rôle du personnage non jouable. Il est en effet beaucoup moins travaillé que son acolyte Moga, c'est en termes d'impact en gros un Maximilien. Il a un rôle important, mais n'est en rien en mesure de déverrouiller l'une des portes de l'intrigue. Vigilance bien sûr car ce n'est que mon propre ressenti. Passons ensuite à Moga. Bon bah, là c'est plutôt obvious, hein. Vous vouliez un tank pour la griffe et bah, tada. Moga remplit entièrement les cases concernant une adhésion potentielle au sein des héros jouables, nul doute que c'est à ce jour le candidat le plus sérieux pour rejoindre les 30 et faire office de 31ème héros d'Overwatch. On sait qu'il disposera d'un shield, de deux mitraillettes que l'on peut associer aux unités lourdes de la griffe, et sans doute de bonnes voicelines, bien caricaturales, des films d'action des années 90. Le personnage est, je trouve, archi profond, c'est l'archétype du sarcasme. D'après Baptiste, Moga aime jouer les grosses brutes et cervelées, mais est aussi sournois que dangereux. Voilà un personnage charismatique, vecteur de positivité, il a un côté rassurant ne serait-ce que pour sa corpulence. Enfin, si je fais une brève analogie sur son prénom, Moga, ce dernier vecteur d'éléments pouvant introduire théorie sur la personne. Il aura entre autres comme qualité primaire l'idéalisme, donc l'art du combat, etc., et la compassion, comme par exemple lorsqu'il permet à Baptiste de s'échapper. C'est une véritable force de la nature, un ouragan, comme le dit la nouvelle, qu'il me tarde de côtoyer. Au niveau des personnages tertiaires, c'est-à-dire ceux dont l'importance est pour ainsi dire de l'ordre de l'anecdotique, on pourrait brièvement parler du docteur Mondésir, qui selon toute vraisemblance introduit une micro-dramaturgie dans l'ordre de Baptiste. En effet, il est plutôt facile d'octroyer au duo cette thématique de l'amour slash amitié impossible afin de venir renforcer le background de notre héros numéro 30. Ensuite, il y a deux autres petits renvois sympathiques à la lettre du teaser. Tout d'abord la citation « Le seul moyen de quitter la griffe, c'était entre quatre planches ». On revient bel et bien à l'argumentaire de la lettre où, je cite, il est aussi mentionné « On ne quitte pas la griffe ». Ensuite et surtout, l'ancien hôtel touristique servant aujourd'hui de QG à Sinclair était, je pense, ce même hôtel, là où plutôt Baptiste a faussé compagnie à ses poursuivants, Cuerva, Pakanowski, etc. Le fameux T-Hotel Lambi. On va conclure enfin par le final qui pour certains a prétexté l'occasion de hurler leur hype, alors certes ça donne des éléments de regroupement à venir, mais ne permet en rien de déduire autre chose qu'un futur recrutement de Baptiste au sein d'Overwatch, et ça bah, on s'en doutait un petit peu. En revanche, Ange vient une nouvelle fois être au centre de toutes les attentions, on parle entre autres du fait qu'elle serait une cible potentielle de la griffe, que tôt ou tard, la faction tentera d'attenter à sa vie. Une information cruciale venant bel et bien confirmer son indéniable importance au sein d'Overwatch. Enfin, on en vient à la question la plus intéressante de ce final, quel est le rôle de son bras dans tout ça?
En effet, sa mention vient une nouvelle fois affirmer sa fâcheuse tendance à sans arrêt jouer sur les deux tableaux. Alors question, cela ne vous choque-t-il pas qu'elle donne un petit coup de main à un ami pour le pousser droit dans les bras de la faction entre guillemets ennemie ? Moi, ça me laisse un petit peu perplexe, on verra ce qu'il en est à l'avenir. Sur ce, voilà une nouvelle comme on les aime, pleine d'ouverture et de lore. J'espère que l'analyse vous a plu. Préparez-vous sans doute à voir arriver Moga très vite sur vos écrans. N'hésitez pas à me gratifier de votre retour. Portez-vous bien, encore une fois. Et bien sûr, révérence.